Good morgen, allez, Iden, les sucres aujourd'hui, le Lishmat, Mori de Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Sarah Batrana, Rachel Shlomo ben Esther, Risha Batraim, Nechemia, ainsi que leur fouat Abraham, Mori ben Reut, Betor, Shah, Chol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah contactée le 5 minutes éternelle, nous étudions Maserhet Zvachim, Perek Yud Aleph, Mishnah Daled. Echad Habeged, Vechad Asak, Vechad Aor, Teunin, Kibus, Bemakom Kadosh. Ou Shvirat Klicheres, Bemakom Kadosh. ומריקה ושטיפה בכלי נחושת במקום קדוש זה חומר בחטאת מקודשי קודשים. On traduit directement et on expliquera ensuite, on reviendra sur le pasouk de nouveau. On a jusqu'à présent on a parlé donc d'un vêtement ou en fait de tout ustensile même, on avait même élargi un petit peu le cercle en disant que ça concerne en fait tous les ustensiles qui ont absorber du sang de Khatat, qu'il y a un devoir, une mitzvah, de les laver. De laver pour ne pas faire sortir ce sang du Khatat de la Hazara. D'accord ? Le sang qui est apte à être aspergé sur le Mizbeach, si toutefois il a éclaboussé sur un vêtement, il ne faut surtout pas sortir le vêtement, mais il faut plutôt le laver à l'intérieur de la Hazara. C'est une halakha particulière explicite dans le Pasuk. On traduit tout de suite, la Mishnah m'enseigne que ça concerne Echad Beged, Ve'echad Asak, Ve'echad Aor. Qu'il s'agisse d'un beged, d'un vêtement, ve'echad asak, un sac, alors littéralement un sac, c'est comme en français, un sac. Et en fait, on parle d'un c'est utilisé dans la chasse en général, pour qualifier un ustensile, un vêtement de lin très basique, très grossier, pas travaillé tellement. Ve'echad aor, ou encore qu'il s'agisse d'un vêtement de cuir. Pour tous ces trois cas, Teunin Kibus Bemakom Kadosh, ils requièrent tous d'être lavés Bemakom Kadosh dans la Hazara avant d'être sortis. Ouais, on apprenait dans la Mishnah précédente que c'est uniquement des ustensiles qui sont. C'était Bedavar Shu Raoui le Kabel Toma, Veraoui le Kibus. La dernière condition explicitée dans la Mishnah précédente, Veraoui le Kibus, quelque chose qui soit lavable, qu'il soit usage de laver, à exclure un morceau de bois. Et donc la Mishnah continue, un ustensile en bois, et la Mishnah continue en disant maintenant tous les vêtements, quelle que soit la matière du vêtement, ils devront être lavés comme kadosh. On continue maintenant avec la suite de la Mishnah, qui va à présent aborder la suite, ou plutôt ce qui a été précisé avant dans le Pasuk. On va voir tout de suite le Pasuk. On est dans Perek Vav, Pasuk Raf. Le Pasuk me dit, Kol, dans Vaikra, Perek Vav, Pasuk Raf, Kol Asher Iga Bivsara Igdash, tout ce qui touchera à sa chair deviendra saint. On expliquera de quoi on parle. Un cas simple, par exemple, c'est qu'il y a du pain qui était dans la Hazara pour que le Kohen puisse manger son korban, il s'est amené son pain. Et le khatat, ou le korban, il a touché son pain. Donc le pain, il a absorbé du goût du khatat. Dans ce cas-là, le pain devrait être consommé avec les mêmes restrictions que le khatat. Dans la Hazara, ne pas sortir, être consommé dans une journée. On expliquera ensuite plus dans les détails. Mais en tout cas, va chériser midama à la beged, va chériser aliat et chabez bemakom kadosh. Et tout ce qui sera, qui éclaboussera de son sang sur le vêtement, alors le pasuk me dit, chabez bemakom kadosh, il devrait être lavé bemakom kadosh dans le lieu saint, c'est-à-dire dans la hazara, ne pas sortir. Et le pasuk continue dans le pasuk chalef en me disant, chafalef, ou chlicheres, asher tevushalbo ishaver. On va, dans les prochaines Mishnayot, parler longuement de ça. Ou kli cheres, asher tevushal bo ishaver. Si toutefois on avait la viande de khatat, que l'on a fait cuire dans un kli cheres, dans un ustensile en argile, vous savez bien que l'argile n'est pas cachérisable. C'est notamment écrit ici. Alors, ishaver, il n'y aura plus rien à faire avec cet ustensile, il faudra le briser, le casser, parce qu'on ne peut pas cachériser un ustensile en argile. Tandis que, Ve'imbirli Rochet Bouchala, si ça a été cuit dans un ustensile en cuivre, alors, Umorak Veshutaf Bamaim. On lui fera ce qu'on appelle la Merika et Shtifa. Merika, c'est qu'on la lave à l'eau chaude, on lui fait ce qu'on appelle la Gala. Merika, Umorak Veshutaf Rashi, la Shom Tamruka Rashi me rapporte ici. L'Iflot et Bliatan, il précise pas Rashi, mais en tout cas, c'est ce que ça veut dire. Merika, c'est qu'on fait
On la lave dans de l'eau chaude, comme ce qu'on fait dans la gala. On fait bouillir en eau bouillante dans l'ustensile en le plongeant dans l'eau bouillante. Le shutaf bamaï, ensuite il faudra le laver à l'eau froide. D'accord? Et tout ça, ça se rapporte donc en fait, le pasouk il a expliqué, il a explicité sur un korban khatat qui entre en contact avec un vêtement. Il faudra le laver bien comme kadosh. S'il a touché un klicheres, s'il a pénétré les parois du klicheres, il faudra casser le klicheres, l'ustensile en argile. Et s'il a été absorbé dans un ustensile en cuivre, ou en fait en tout métal, alors il faudra lui faire la hagala. Tout ça, bemakom kadosh. Et c'est ce que la Mishnah vient m'enseigner en me disant, ou shvirat klicheres, bemakom kadosh. Si tu vas devoir briser l'ustensile en argile qui a absorbé la khatat lorsqu'elle était chaude, alors, ben, comme Kadosh, il faudra, dans la Hazara, casser là-bas l'ustensile. Umerika, Ushtifa, Bichline Choshet. Et lorsque tu devras cachériser et laver à l'eau froide le Kline Choshet, l'ustensile en cuivre, aussi ce sera où? Ben, comme Kadosh, dans le lieu saint, dans la Hazara, comme ce que Rashi, le Bar Tanoura nous dit, ben, comme Kadosh, ben, Hazara, dans l'enceinte du Beth Amikdash, parce que tu vas pouvoir te faire sortir ce sang ou ce goût de khatat absorbé. Et la Mishnah conclut en me disant Zeh chomer bachatat mikodeshe kodashim. Avec toute sa halakhot, tu déduis la particularité, la chumra, la loi rigoureuse du khatat qui se distingue des autres kodesh kodashim. La phrase elle est un peu floue et Rashi nous précise Akibuskei. On s'apporte trop sur le kibus. On fait de l'ordre tout de suite dans ce qui est écrit sur cette dernière phrase, c'est pas compliqué. On va parler dans tout ce chapitre de deux sujets. Le vêtement à laver lorsqu'il a absorbé du sang et l'ustensile à cachériser lorsqu'il a absorbé du goût de viande. Alors le Bar Tanoura nous précise en fait que cette halakha à propos du sang qui a été absorbé, elle est spécifique au korban khatat. Elle n'est pas dans le korban hacham, ni dans la hola, ni dans les shlamim. Si on a du hacham qui se fait absorber sur un vêtement, c'est devenu sec, il n'y a aucun problème à prendre ce vêtement et le sortir en dehors de la hazara. Ouais? Tandis que pour le khatat, la Torah a donné un halakha spécifique qui ne concerne que le korban khatat. C'est une zera takadouk, c'est comme ça. À la différence, par contre, c'est ce que Rachid a fait allusion lorsqu'il a dit Zechomer à kibous kae. On ne se rapporte que sur le kibous. Tandis que sur les autres halakha de Merika ou Shtifa et de briser le klicheres, ça concerne tous les autres ustensiles. Soit, si j'avais le shlamim qui est consommé pendant 2 jours avec la nuit au milieu, si toutefois j'ai fait cuire le shlamim dans un ustensile et j'ai passé la journée, c'est arrivé jusqu'au 3e jour, de nouveau je devrais quand même lui faire la cachérisation à cause du goût de shlamim absorbé qui a passé son temps permis. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Aslacha Kol Tov Salah.